Piquez attention à toutes et à tous, c'est Géologine, on se retrouve pour l'épisode 3 de Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch. Et cette fois-ci, on continue encore la lueur des mondes. C'est parti pour le troisième segment. Donc du coup, j'étais avec Donkey Kong, je me suis dit, est-ce qu'il faut pas que je continue un petit peu ces trucs-là? Au niveau formation, j'ai pu un peu doser les esprits. Lui, je l'ai monté à fond. Il me faut un autre esprit maintenant. Quelque chose de pas trop fort. En espérant que ça passe. Oh la vache. Ça a dû faire tellement mal. Il est venu en marche arrière. Comment tu peux le prendre au sérieux, lui? Peut-être. Et c'est une villageoise qui prend sa place. En fait, dans ce mode-là, ils arrivent à être tellement créatifs avec ce qu'ils ont. Mais non. Oula, je vais mourir. J'ai pas de temps mort. Mais non! Pas avec une vieille carapace. Ah oh, putain, c'est horrible. Trop d'objets. Ah c'est bon, ils peuvent s'entrechoquer entre eux. Oh la vache. Explorer les ruines, ça sert à quoi? D'accord. Ça peut être utile. Est-ce qu'il y a de l'expérience encore aussi? Par état de fatigue, il y a de la fatigue. Mais non. Comment tu peux savoir si l'esprit est fatigué ou pas? Ok, il revient dans combien de temps? Dans 2 heures? Ah ouais, d'accord. C'est pas pour tout de suite. Ça, c'est un truc à se lancer une fois que tu vas aller dormir. Donc attends, on a les activités. Là, ça donne quoi? Le style est maîtrisé.
Ils sont où? Ok, j'ai juste assimilé le style comme ça. D'accord. T'as des attributs, t'as les styles, c'est deux trucs différents. Du coup, ça, on va laisser de côté. J'ai l'air d'avoir plusieurs trucs à débloquer comme dans le même genre. Plusieurs expéditions, plusieurs styles. Et là, par contre, j'ai plusieurs magasins. Alors ça, c'est toujours utile. C'est seulement un seul encart. Oh, ça peut être bien. De toute façon, ça va finir par arriver dans ma poche, je pense, à force de jouer. Arbre de talent. Ça fait un moment que j'ai pas fait le tour, non? 35. Ouais, il me faut ça. J'aime bien en fait auto, ça me permet de peut-être m'équiper de celui qui est le plus intéressant pour la mission. Par contre, avoir Donkey Kong, je pense que c'est pas forcément le plus intéressant donc c'est. Il s'est passé quoi? Ok, j'ai foncé, j'ai attaqué et ça a marché. Ça va tellement vite en fait quand tu fais auto. Genre je sais que je suis à peu près à la limite pour pouvoir avoir des objets intéressants. Oh, il m'a fait peur. Mais sérieux? Le mec il m'a esquivé tout mon truc. Horrible. Ah ça c'est cool. J'atteins peut-être les 5 ans. Je fais même plus attention au truc. L'écran se retourne subitement après quelques instants. Ça c'est bien. C'est pas tout le temps, il faut juste que je fasse attention de pas être au mauvais endroit au bon moment. Mais ma misère! Il met grave la misère! Oh, c'est trop mignon comme endroit. Attends, niveau de la carte, ça même quoi. Parce que je débloque des trucs et tout, mais je fais même plus attention à ce que j'ai déjà débloqué auparavant.
Vas-y, on va y aller. Oh, sérieux? Ah, voilà. J'ai quand même quelque chose de potable pour affronter Lucario. C'est ouf. Il va m'éclater tellement facilement. C'est juste que je fasse une erreur. Purée. Je me sentais trop partir à cause de Lucario. Oh, ça fait plaisir. Chaud. Je passe pas. Je passe tellement pas. Ouais, je passerai pas. J'ai eu l'impression que j'avais accès à ce corps. La tête de Donkey Kong. Je passe pas, je passe tellement pas, je pense pas. On va quand même forcer pour voir si ça passe ou pas, mais non. Ça va. C'était tout ce que je voulais faire, le coincer pour pouvoir l'éjecter rapidement comme ça. Empêche l'écran de se retourner, c'est bien ça. Ah, mais voilà, ça sert à quoi ça? Genre, c'est un niveau souterrain? Il me faudrait 40. Je suis dans un truc de Splatoon. Faut que j'aille chercher les. Je sais plus comment ils s'appellent ces trucs-là en fait pour générer de l'énergie. C'est marrant. Attends, est-ce que je peux me permettre? Ouais, tu peux carrément te permettre de faire ça. Ah putain, mais par contre, je peux pas aller plus loin que ça. Je suis obligé de le passer lui. Ok, très bien. Je me. Non, j'allais dire, je me casse d'ici, mais en fait, non. Je peux. Enfin, je peux, je sais pas. Je dois forcer. Bref, on fait ça. Formation. Et cette fois-ci, on donne un petit peu de bouffe.
Je dis ça, je trouve que je vais me faire encore taffer. Megaman, il est fort. Il a un niveau de dingue. Mais non, je voulais cette arme. Tranquille, c'était vraiment une question d'XP. Ok, comment ils veulent que je fasse? J'en ai un qui traîne dans le coin. Ou c'est moi qui dois le faire. Du coup, je le récupère ici. Il y a une Pokéball avec lui. Oh, il est horrible, d'Eden. Il est mignon, mais il est horrible. Oh, le pauvre. Ça fait mal de frapper un Pichu. Ah, il y en a un qui traîne. Et très bien, très bien. Peut-être avec de la chance, Elecman, il pourrait être utile. Genre au tout début du jeu et tout. Ah, c'est de l'endurance. Ok. Je commençais à paniquer, je me disais qu'il allait pouvoir m'éclater. Ok. Ça me fait un plus 1 ici. Miniso plus métal, c'était tellement la galère. Ok, donc là, hop, je fais ça. Je peux ouvrir mon coffre. Je le récupère lui. Lui, je pourrais pas le récupérer quoi qu'il arrive.
Celui-ci, il est en suspens, on sait jamais. Je peux faire ça. Oh, 20 sphères de talent. C'est très intéressant, ça. Non, oh, putain, il m'en manque une. Ok, on revient un petit peu au début. Au début, j'avais des trucs que je pouvais pas faire parce que ça sentait la galère. Et même là, par à gauche, en fait, j'aurais pu faire quelque chose. Oh putain. Cette musique est tellement cool. Bah voilà, pourquoi ils m'ont pas proposé ça? Il est à 9000 quand même. Privilégie la fuite. Oh non, mais c'est horrible. Faut que je fasse ici, ça va commencer à smasher un peu à moi. C'est bon. C'est tellement astucieux quand même leur truc. Sleepy Toad, ils mettent quoi? Ils mettent Greninja dessus. Donc ça c'est bon. Là j'ai clean cette zone là. Par ici, on te récupère toi parce que il y a un esprit à aller aider ici. Je reviens par là. Voilà. Pichu, amourant, allez viens avec moi. Il y a aucun truc spécifique dans ce combat normand. C'est juste un combat classique. Juste avec les personnages que j'ai débloqués déjà au fur et à mesure. Il est trop rapide. Oh, il me met à la misère. Oh putain. Quelle horreur. Je vais pas avoir du mal contre lui quand même. J'ai eu du mal avec lui. C'est un truc de ouf. Il est tellement vif. Ah bah là je suis régalé en termes de points de talent. Hop, ça je le récupère. On met ça ici. Oh, Victini, ça va être chaud, non? Croisez les doigts.
tu peux pas partir? Je t'ai mis une bonne mine en plus. Tant mieux. Légende. Mon premier truc légende, je crois. J'ai cru que le Pikachu il avait une moustache. Je suis même pas sûr d'avoir fait un météore. J'ai mis gagné les petits poissons charges. J'ai totalement fini l'endroit en vrai. Qu'est-ce que ça change pour moi? Ok. Ça ouvre un passage pour quelqu'un d'autre. Arbre de talent. Tac, on récupère celui-ci. Après, il y a l'hyper smash à récupérer à 100. Bon, je me casse d'ici, ma. Putain. Ok, donc là, carte complète. J'ai gagné cette partie. Pourquoi j'ai un point de truc? J'ai un tunnel ici, mais je l'ai même pas. Je peux même pas l'exploiter. Attends. Ouais, voilà. C'était discret. Je débloque encore des musiques. C'est bien. Parce que j'ai vu les 700 musiques et tout, quand j'ai navigué dans les menus, je me suis dit, j'ai peut-être déjà tout en vrai. C'était chaud. J'ai pas d'autres mots. Faut débloquer Rayman en plus. Bon, Rayman qui est maintenant son bro là quoi. Ok, c'est quoi l'endroit maintenant? C'est un donjon? Noisette? Ok, et à gauche, c'est quoi le truc? Oh, sérieux? C'est marrant parce qu'en fait, il se demande spécifiquement certains esprits pour pouvoir avancer et récupérer des objets. Ok. Anti-trophée. Oh, mais c'est trop stylé parce qu'en fait, t'as vraiment des trucs qui permettent de bloquer les adversaires. Oh, Ashley Mizuki. Ce jeu, il date. Ça s'appelait comment déjà? C'est Another Code, je crois.
J'aimais bien, c'était un jeu sur DS en fait, un jeu un peu d'énigmes, plus ou moins. Ils sont trop mignons, ils ont mis le villageois en fantôme. C'est ce moment-là où je regrette d'avoir laissé le flingue pour elle. Oh la pauvre! Les yeux qu'elle a tirés. Ok, donc là je me suis fait mon petit chemin pour pouvoir revenir ici. La question est, est-ce que je peux revenir tout au début? Purée, j'ai l'impression que je me suis perdu. Genre j'ai pas des trucs là que je peux maintenant... Enfin que j'ai débloqué même, tout simplement. Ah bah tiens. Ah ça je peux le faire maintenant. Ça je peux pas le faire encore. Mais tout ce que je peux faire, il y a un petit icône maintenant dessus pour te dire que tu peux le faire. Ah c'était Suzy. Putain c'est cool. Du coup là j'ai quoi? Sigma? C'est faisable non? Oh purée, son smash a bien changé. Mais t'es horrible. Ah oh, j'aime bien cette musique en plus. Le X-Buster, le Z-Saber. J'aime bien les objets qu'ils ont mis. C'est tellement thématique. Oh non. Ok, ça va. Les matchs à stamina, c'est un autre délire. Et c'est Megaman que je débloque. Forcément. Ça aurait été bête que ce soit un autre personnage.
Putain, c'était galère De ouf. Je pensais pas que ça allait être aussi galère quoi. Est-ce que c'est un autre genre de donjon? Je crois bien. Putain, c'est intéressant comme endroit. Ok, on va finir avec les portes numéro 1 apparemment. Que je dois tout activer. Ok. Ah, c'est tout, fallait éclater Rob. Ok. Oh, ça a l'air tendu. Mais contre Fenferno, c'est aussi. Putain, enfin, ah, c'était vraiment sur de la chance ça. Ok, ici ça a l'air d'être la dernière zone. Là j'ai la 3. Je pourrais pas faire grand chose ici. Soyez tous en placement.
J'ai désactivé la 4. Mais il me faut la 3. Elle doit être sur ma route, la 3. Ouais, ça doit être ici. C'est peut-être chaud. C'est peut-être très très chaud. Il y a beaucoup d'ennemis, normalement ils devraient partir vite. Ah non, c'est des smash d'endurance. Ils ont 100 PV. Ah, c'est mort. Mais non, c'est mort, vas-y, c'est mort. C'est tellement mort. Ok, tout a l'air d'être désactivé maintenant. Genre, je dois retourner jusqu'ici, je pense. Wow! J'ai peut-être droit à un boss spécial ici.
C'est un vrai boss. Oh, il rage. Oh, il pouvait faire des grabs. Je voulais juste qu'il me fasse un hit. Oh, purée. Je pensais que j'allais passer, mais pas du tout, c'est bon. Oh, la vache, tout ce qu'il a lâché. Je peux refaire ce boss-là quand ils veulent. Ça a dû désactiver quelque chose à l'extérieur. Attends, c'est carrément au bout de la barrière? Stylé. Donc en fait, c'est ça, je dois partir à la recherche des gros boss. Je peux avoir quelqu'un d'autre. Ok, alors déjà, est-ce qu'on a fini ici? Est-ce que j'ai assez en talent? 104, c'est bon. Je peux apprendre cette branche-là, la finir. On a deux trucs encore à faire. Déjà tout en bas, désactiver les boutons 5, et repartir en haut. J'ai un coffre et j'ai toujours un boss que j'ai pas réussi à faire. Oh, c'est qui que je pourrais débloquer? Boîte de carton, ah bah c'est Snake. Metal Gear Rex. Bon, c'est totalement Snake. Oh la vache. Ok, enfin. Il m'a fait galérer celui-là.
Bon, c'est horrible en fait parce que il y a un truc, un esprit que j'ai pas pu faire là-dedans. C'est vraiment trop chaud. Genre, il me faut d'autres personnages à débloquer. Mais déjà en fait, en termes d'autres personnages à débloquer, je crois que je peux me permettre d'aller chercher Shake là. Il me semble qu'il était disponible. Attends, ouais, voilà. On vient vers ici. Donc là, on a Shake ici. Villageois là, on va partir vers Shake. Parce qu'en fait, en vrai, je me dis si j'ai Shake, je vais peut-être genre toute la famille Zelda en au-dessus, j'en sais rien. Ok, c'est parti vite ça. Oh, je peux débloquer les villageois aussi. Genre, il n'y a plus de restriction là. C'est bien. Genre, la restriction, elle était que au début. Ça c'est fait. On va en profiter pour faire ça aussi parce que j'aimerais bien dépoussiérer cet endroit. Ah bah voilà, c'est plus joli comme ça. Et par ici aussi. Oh, c'est du PV, ça va. J'ai tellement envie de continuer en vrai. Mais d'un autre côté, je sais qu'il faut que j'écourte la vidéo en fait. On va voir qu'est-ce que je peux débloquer juste dans cette direction-là. Ok. Si toi tu évolues au niveau 99, ça donne quoi? Faire évoluer cet esprit en évoluant, l'esprit pourra devenir plus puissant et gagnera un niveau, mais il retournera au niveau 1. Bah vas-y. Ah, c'est le cauchemar de Metroid Fusion. Cauchemar, c'est ça. Il est passé niveau 3. Enfin, niveau 3. Vétéran, quoi. 3 étoiles. Drain de vie. Oh, attends, 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 t'es sérieux? Tu peux faire du drain de vie? Oh, putain, mais je te garde.
C'est tellement le truc que j'ai besoin. On n'en parle plus. Genre, limite, j'en aurais besoin pour le truc avec les Megaman. Ok, la personne s'est suicidée. Ah, c'est eux qui s'occupent de tous les ponts maintenant. Alors vas-y, dis-moi qu'est-ce que je pourrais débloquer. Ok, voilà. Une horreur. Mais non, c'est rondou. Sont où les persos, sérieux? Ah, ça m'ouvre le chemin en plus. Purée. Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'il y a toujours des endroits où j'ai pas le droit d'y aller? Ouais, bon, on va pas s'embêter plus. Faut que j'écourte un peu la vidéo, je la ferai certainement en deux parties. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite de World of Light. Il y a trop de choses en fait à voir et genre moi j'en profite pas mal en fait. Je continue à découvrir un petit peu la partie World of Light un petit peu de mon côté comme ça. Allez, je vous fais plein de pics à poutons, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien!